Donc voilà le circuit qui va me permettre de lire des synchros ici. Donc là j'ai un synchro avec 6 fils, celui-là. Voilà. Donc les deux fils de la bobine centrale plus les deux autres, les quatre autres ici, sont branchés sur cette petite platine. Le tout est relié à une carte qui va me permettre de sortir en port série. Donc le port série, je vais le lire ici. Voilà. Donc on voit que bon, c'est quand même très précis. Si je fais ça, voilà. Là, je le mets en 0. Voilà. On va rapprocher un peu comme ça. Et donc là, c'est quand même très très précis. Donc je vais pouvoir coupler ça à une de mes cartes de moteur. Et vous allez pouvoir récupérer les instruments sans démonter, sans mettre de capteur, puisque c'est le synchro d'origine qui est à l'intérieur. Donc c'est une très bonne nouvelle. La suite, c'est de coupler ça à une de mes cartes FDBus moteur pour asservir donc le fonctionnement des instruments.